Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Plein de choses sont passées et pour cet épisode de vlog, j'ai carrément dû prendre des notes pour ne rien nous oublier. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, si jamais vous ne me connaissez pas, voilà, je m'appelle Lingen. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai axé tout mon business aujourd'hui dans l'accompagnement des coachs. Et voilà, je vis en région parisienne et j'ai 34 ans. Voilà, les présentations sont faites. Alors, par quoi je commence ? Tellement de choses. Tout d'abord, le plus important, c'est que le PSG se soit qualifié. Je vous montre parce qu'il y a mon nom et un numéro et que j'ai pas pu utiliser le maillot parce qu'avec le confinement, j'ai pas pu faire de foot de toute façon. Mais voilà, le PSG est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, l'équipe s'est agrandie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en tout et pour tout. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent. Pour moi, on est équivalent temps plein au moins 4-5 personnes. Donc, il y a des coachs, il y a des assistants, il y a des responsables, il y a des commerciaux. Bref, c'est génial. Jamais j'aurais cru que ce serait quelque chose qui me plairait autant. Moi, je me suis toujours vu en tant que solopreneur. Hein. J'avais cette idée de ce fantasme de la semaine de 4 heures où j'allais travailler un petit peu et puis automatiser des choses et partir en voyage tous les deux semaines, pendant deux semaines, tous les deux mois. Et en fait, c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, je m'épanouis vraiment à avoir une équipe et ça, c'est juste génial parce que la transition dans laquelle je me trouve, c'est au niveau mindset, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu mon actualité, j'aimerais en 2021 avoir un business qui puisse tourner sans moi. Alors, peut-être pas un an sans moi, n'exagérons rien, mais si je veux pouvoir m'absenter 2-3 semaines, je veux pouvoir le faire. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, ceux qui sont dans l'équipe se reconnaîtront. Je suis hyper ravi de vous avoir dans l'équipe. Sommet coach en mission 2020. Donc, dans cette idée ou dans cette perspective où maintenant j'accompagne que les coachs, je me suis dit je vais faire un nouveau sommet. Donc, c'est le troisième sommet que je fais et c'est le sommet coach en mission 2020. D'ailleurs, dans cette annonce, il y a une deuxième annonce. Je vais commencer par l'annonce dedans. Voilà, ma marque maintenant un peu, quoi. Du moins, mon message, c'est coach en mission. C'est cette idée qu'on est coach et qu'on est en mission en fait. Et j'étais passé par plusieurs idées, coach prospère, etc. Mais c'est vraiment cette idée qu'on est en mission pour nous-mêmes déjà, vivre une vie meilleure, être dans la contribution. Mais on est en mission aussi pour aider les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le sommet coach en mission. Donc, du 24 au 29 août, il y aura un sommet uniquement dédié à ça. Donc, je vous mets le lien en dessous. Surtout, ne loupez pas ça. Que vous soyez déjà coach ou que vous vous intéressez au coaching, c'est idéal pour vous parce qu'il y aura différents niveaux, différents intervenants. Et si un jour, ne serait-ce que pendant 10 secondes, vous vous êtes dit, tiens, ça pourrait me plaire d'être coach. Et après, évidemment, vous avez le censureur, comment on appelle ça, celui qui censure dans votre tête, qui vous dit « Mais non, coaching, c'est que du blabla, c'est pas fait pour toi, t'as pas de diplôme. » Voilà. Bref, pendant ces 10 premières secondes, si vous avez pensé que le coaching, c'était fait pour vous, inscrivez-vous au sommet coach en mission. Ça va vraiment vous aider, vous allez voir. Autre chose que j'aimerais vous partager, j'ai fait un camp d'été virtuel. Pendant une semaine, il y a eu 17 personnes qui ont participé à une formation intense d'une semaine sur comment lancer un business sur le coaching. C'était juste génial. En fait, chaque matin, il y avait un cours, je donnais le cours avec des questions-réponses. Et le soir, on débriefait sur les devoirs que j'avais donné le matin avec une session de questions-réponses. Et on a fait ça pendant 6 jours, donc c'était hyper intense. J'ai vraiment aimé. Donc là aussi, les gens qui y ont participé se reconnaîtront. Je vous salue. Il y a aussi le podcast. Alors, le podcast a changé. Ce n'est plus le podcast solopreneur. C'est le podcast coach en mission aussi. Ok. Je parle que de coaching. J'ai essayé de faire des trucs cool avec la musique et tout. Mais au niveau technologie, c'était un peu l'embrouille. Du coup, voilà, on est revenu à un truc très simple sans musique. La petite leçon là, c'est faites vraiment simple en fait. Prenez pas trop la tête. Faites simple. Faites au plus simple. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'ai rejoint un programme d'accompagnement qui s'appelle Limitless Scaling de Julien Musy. Je vous dirai pas combien ça coûte, mais c'est un montant à 5 chiffres à l'année. Et c'est génial. J'ai appris énormément de choses et je suis toujours dans le programme. On a une immersion
prochainement à Rome. Et en fait, c'est eux notamment qui m'ont aidé à créer ce business où j'ai pas besoin d'être là. Et en fait, je vais vous dire un truc. Un jour, je vais faire une publication Instagram. Ce sera un truc. Je suis un capitaliste et fier de l'être. Un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sens à travailler 30, 40, 50, 60 heures par semaine si vous ne travaillez pas dans votre zone de génie et si ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Si vous pouvez sous-traiter à des gens qui peuvent faire le boulot pour vous et servir d'autres personnes et vous travaillez bon, tant mieux en fait. Il y a cette idée que forcément, les patrons sont des gens mauvais, ils font rien, ils sont dans leur bureau et puis il y a les pauvres ouvriers qui travaillent. Mais je veux dire, j'allais dire c'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Dans le sens où ceux qui veulent travailler avec moi, je vais leur donner du travail. S'ils ne veulent pas, ils n'auront pas de travail. C'est pas grave. Mais c'est hyper égoïste et égocentrique de créer une entreprise où la réussite dépend que de soi en fait. Et pendant longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai voulu créer une entreprise pour flatter mon ego, pour montrer quelle importance j'avais, pour travailler mon personal branding. Donc, si un jour, je peux travailler 10 heures par semaine, avoir un business qui fait des millions et avoir une équipe épanouie de gens qui font vraiment ce qu'ils ont envie et des clients épanouis et heureux et satisfaits, tant mieux. Et du coup, ce nouveau mindset, vous verrez, je vous le partagerai aussi un petit peu en fonction de comment j'avance. En tout cas, le programme de Julien Musy m'a beaucoup aidé sur ça. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre? J'ai lancé le programme Mission Passion. Donc, si jamais le coaching vous intéresse et que vous voulez être accompagné sur 4 mois, n'hésitez pas à venir prendre contact avec nous. Je vais lancer aussi un mastermind. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, j'ai mis que depuis le dernier vlog, en fait, c'était en juin, juillet, août, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vlog. Et c'est passé plein de choses en 2 mois. Des hauts et des bas et ce que j'aimerais vous dire, c'est soyez ambitieux, c'est hyper important, mais n'essayez pas d'aller trop vite. Et cet équilibre-là est hyper difficile. Moi, par exemple, en toute transparence, une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai recruté plein de gens que j'ai voulu facturer cher, j'ai fait tomber mon stylo ça a cassé un peu la rentabilité. Il y a Marina qui a rigolé. Et je suis allé un peu trop vite en fait. Et en même temps, j'ai pas de regrets parce que j'ai tenté, j'ai vraiment voulu y croire. Et aujourd'hui, ça m'a fait faire un bond en avant. Donc, je vous invite pas à prendre des grands risques forcément comme moi j'ai fait, mais sachez que le jour où vous décidez d'aller plus vite, vous pouvez aller plus vite. Que le rythme que vous avez jusque-là, en fait, vous pensez que c'est le rythme normal? Non, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et même là, pendant que je vous dis ça, je me dis, mais par exemple, une autre annonce, je suis aussi coaché par Levi qui est un spécialiste dans le closing, dans la vente et qui sera notamment au sommet coach en mission. Et il m'a fait faire un exercice, combien j'aimerais gagner par mois. Et c'était vraiment douloureux pour moi, mais je lui ai dit 50 000 euros hors taxe par mois. Je crois que ce n'est pas possible, je crois que c'est très difficile. Et je lui dis, dans 6 mois, 12 mois, on verra. Mais en fait, non, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que notre potentiel est pour la grande partie inexploité. Nous, on est là et notre potentiel est certainement là. Et du coup, ce gap-là, il est énorme en fait. Vous pouvez littéralement multiplier par 10 votre chiffre d'affaires, quoi. Si vous êtes à zéro, vous pouvez faire un bond énorme. Mais vous pouvez augmenter drastiquement parce que le potentiel, il est là. C'est les gens qui essayent d'aller plus loin que leur propre potentiel où là, ça commence à être dangereux. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas avoir de croyances limitantes. Ça, c'est le but de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. À tous les niveaux d'ailleurs, pas que dans les bons côtés. Et surtout, ne vous dites pas ce modèle salarial où vous progressez petit à petit. Non, vous pouvez vraiment faire des grands bonds en avant. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Je crois que c'est grave, non, quand tu n'arrives pas à te lire. Team. Ouais, non, c'est bon. Je vous garde le meilleur pour la fin. Certains le savent déjà. Plus important encore que la victoire du PSG,
Je vais être papa. Je vais être papa d'une petite fille dans 2 mois. Et je pense que ça va chambouler ma vie. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment, vraiment content de pouvoir être papa. J'ai 34 ans, j'ai toujours aimé les enfants. Ma mère gardait les enfants. Quand il y a des enfants, je joue toujours. Je suis toujours en train de jouer. Je me suis beaucoup occupé de mon neveu quand il était petit, pour ceux qui regardent le vlog depuis un moment. Et là, d'avoir un peu mon propre enfant, c'est juste génial. Et c'est aussi mon pourquoi. C'est aussi mon pourquoi. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais que je voulais être capitaliste, etc. Parce qu'en fait, ça aussi, ça fait rire Marina. Parce qu'en fait, j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Okay? Je veux pas être capitaliste pour dominer le monde, gagner beaucoup d'argent juste pour l'argent, pour flatter mon ego. Non, j'ai envie d'être capitaliste pour prendre soin de celles et ceux que j'aime. Donc là, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une petite fille qu'on attend. Et ça, c'est mon pourquoi. Et donc, moi, j'aimerais terminer ce vlog, cet épisode de vlog, en vous posant la question, quel est votre pourquoi? Quel est votre pourquoi? Prenez le temps d'y réfléchir. Quel est votre pourquoi à long terme, à court terme, qui va donner du sens à ce que vous faites, qui va vous pousser? Parce que tout ce que je vous ai dit là avant, ça n'a pas de sens si vous n'avez pas de pourquoi, si vous n'avez pas d'objectif. Tout ça, autant être salarié et ne pas se prendre la tête avec tout ça. Mais parce que j'ai des objectifs, j'ai un pourquoi qui me pousse, qui me booste, c'est ça aussi qui me donne la force, qui m'encourage quand il y a des difficultés. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Merci d'avoir suivi cet épisode de vlog. Dites-moi si le vlog vous a manqué, parce que je sais pas en fait. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Donc en commentaire, laissez vos commentaires, dites-moi. Quoi de neuf peut-être dans vos vies? Et puis, je vous ai mis différents liens. Voilà. Surtout, j'ai envie de vous dire, inscrivez-vous au Sommet Coach Ambition parce que ça va être génial. Je vous dis à très bientôt. Ciao.